cheval, il avait une petite fleur. Oh, okay. Oui, comme les étendards tout à l'heure. Ouais. C'est quelqu'un qui a mis après. Et de la... Vous voyez, là, ils ont touché le vent. C'est poli avec les mains, je pense. Alors, les instruments de musique, ici, les plus remarquables, parce que ça existait jusqu'à nos jours. C'est la guitare et la pointe de noix de bourge. En se manche avec une seule corde, comme le berimbau au Brésil. Mais au Brésil, les gens les utilisent avec des petits bâtons. Mais ici, on l'utilise avec des ongles pour. Ça, c'est encore clair. Avec les flûtes, on oublie les clarinettes, c'est comme. C'est des photos. Et ça, c'est le bon. Est-ce que ça existait avant le violon? Peut-être dans la guerre de l'Inca, vous voyez d'autres types de clarinettes comme le srolai. Mais il y a quelques types de srolai en cambodgien. Bon, oui, le gong. Et les tantas. Bon, parce que c'est le groupe de musiciens pour encourager tout le monde. Là, c'est le bon gong. Et des petits gongs en l'air. Oui, parce que là, portable, on peut dire portable. Parce qu'au Cambodge, il y a aussi le gong presque 250 degrés. Oui, pour l'orchestre. Pour l'orchestre, pour le palais royal, c'est ça, on ne peut pas tout ça. Mais le gong en Birmanie, ou bien peut-être pour la procession militaire, c'est portable. Ça reste comme ça. Oui, pour